Ah non, c'est communiqué. Les lauréats de l'examen d'été édition 2021-2022 y ont obtenu au moins 85% aux épreuves passeront le test de sélection Excellencia organisé par la Fondation Denis Nyakeru Tshisekedi le mardi 11 octobre 2022. La liste des finalistes admis à ce test a été publiée sur les différents canaux de communication officielle de la Fondation Denis Nyakeru Tshisekedi Chilombo. Il s'agit de la liste officielle du ministère de l'EPST reprenant les lauréats ayant obtenu au moins 85% à l'examen d'État édition 2021-2022. Toute information utile liée à l'organisation de ce test sera individuellement transmise aux participants éligibles. Le test portera sur les matières suivantes, les mathématiques, le français, l'anglais et la culture générale. Le communiqué est signé Hermine Mouhendoua, membre de l'équipe de la communication de la Fondation Denis Nyakeru Tshisekedi. Le 7 octobre 2022.